Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfonk pour un nouvel épisode de... J'allais dire Payday 2 mais non, Orc Must Die 3. En compagnie de la Skaven and Company, donc ça va. Bonsoir. À première vue déjà, le premier niveau quand tu vois la liste de mobs tu dis ça déconne pas. Ah ben... Il y a l'air d'avoir des nouveaux gnolls. Ouais, c'est parti. Ah c'est parti, on va en chier hein. Enfin on va pas en chier, c'est les orcs qui vont en chier. Si tu vois ce que je veux dire. Ça fait maintenant 20 ans que Max et moi avons reconstruit l'ordre. Tout se passait vraiment très bien. Et j'avais réussi à maintenir le contrôle. Jusqu'à aujourd'hui. Les armées orques étaient plus fortes et plus nombreuses. Les mages de guerre disparaissaient ou étaient massacrés. Il semblait qu'un mage de guerre plus aguerri allait devoir sortir de sa retraite autoproclamée. Bonne chance pour trouver comment fonctionne ce truc. Si je sortais chasser les méchants à nouveau, il est temps de sortir l'artillerie. Wow! Ça a du répondant. C'est parti. Sacré entrée en matière avec le papy. Hein. Bon. Arbalète, capacité de déplacement spécial, double saut. Ok. Ouais, c'est vite choisi. C'est la waifu. Et toi, tu joues la waifu. Ok. Ah bah, tout de suite, hein. Ah, c'est mon main, hein. Ça y est, hein. Main waifu, ou... comme dirait... Legends. Mais tu es un Jones. Ah, mais les nouveaux Jones. Alors, je suis bel et bien l'arbalète, j'ai pas le choix. Et je commence avec mon set de pièges précédents. Ok. D'accord. Il faut peut-être avoir terminé. Nous n'en saurons pas plus sur cette nouvelle résurgence des orques. Nous devons continuer. On a plusieurs portes. Si tu peux changer, figure-toi. Oh le démon, il y a des petits volants de merde. J'adore quand elle s'inquiète. Ah oui. Il y a des petits volants à la con qui vont arriver par là. Là. Regarde, tu peux changer d'arme effectivement. Non, ça va. Tu changes avec quoi comme touche? Alors, il faut que tu appuies sur B quand tu sélectionnes tes pièges, quand tu regardes pour les pièges. Ah oui, voilà. Merde. Et en fait, faut que tu cliques pour enlever. Ouais, comme non, si je vais garder l'arbalète, ça me va très bien. Voilà. Vrai, mais tu voulais l'arbalète de base. Ouais, c'est ça. Donc, moi, ça me va très bien. Moi, je garde l'arme principale de Gabriela. Pouf. Ah, bon, attends. What? Ah, d'accord, c'est. Alors c'est quoi la particularité de ces êtres volants? Ah, c'est bon, j'ai plus de budget, je laisse te débrouiller. Les ennemis volants attaquent à longue distance. Attaque de feu dans la zone d'effet qui brûle la cible. Eh on t'attend là, eh oh la vague, vite hein. On n'a pas le temps de réfléchir mon gars, hein. Le temps. Adieu. Bah ouais, le temps. Let's go. Je me suis occupé des volants, occupe-toi du reste. D'accord. C'est à vous. Il n'y a plus qu'à appuyer sur entrer, enfin sur lâcher la horde. Oui. Oh, vous inquiétez. Ah, bonne musique là. Mal au pied. Ils préparent une percée de l'une de nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. Ils arrivent. Ah, ça tire vite ton arbalète. Ouais, encore, hein, ça disperse de ouf comme un fusil à pompe si je maintiens appuyé, mais ouais. Après, je pense pas qu'il y ait de spécial dessus, si. Ah si, si, c'est stun. C'est un stun. Ah, il y a une autre entrée de volant. Visiblement. Ok. Je vais continuer à gérer les volants. Ah, je peux pas le poser là? Varomiche de démon.
Ah, j'ai juste plus de budget. Allez. Je suis né prêt. Plus d'ennemis arrivent. Ouais. C'est bon, ça se gère les pauvres. Ouais. Ennemis volants. C'est tranquille. Tu vois là, ça se tape sous les. C'est en train de se taper dessus là. Tu vois là, l'ogre il est en train de leur dire c'est moi le patron. Du coup, ils se tapent entre eux. Il y a des ennemis dans notre salle de faille. Ah hein, pourquoi il est rentré? Quoi? Oh non, mais je suis déçu. C'est un échec. Allez, on l'a réessayé maintenant pour YouTube. Let's go. Ah, ils sont chiants. J'ai placé que des arbalètes, mais à première vue, elles sont bourrées. À première vue, les arbalètes sont un peu bourrées. Me revoilà. Qu'est-ce qu'on a? Orc, ogre, c'est grand maigre qui marche bizarrement. C'est bon. Cette nouvelle résurgence des orques, nous devons continuer à défendre les failles. Soyez à l'affût de tout ce qui est étrange. On a également signalé la présence d'armées volantes. J'adore quand elle s'inquiète pour moi. Allez, c'est parti. Je suis prêt. Et les arbalètes, faites un peu le taf là. Attention, ennemis volants. Ça travaille pas assez. Alors il y a les petits volants, les grands volants. Les grands volants, de ce que j'ai compris, ils tirent sur le au sol. Les petits, c'est eux qui vont rush le. Bah, un peu comme les kobolds quoi. Ils tirent aussi les petits hauts. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah, tout de suite l'ego de la waifu. On reconnaît. T'inquiète, j'ai le même de mon côté. Hein. Un piégeur, ça. En jaune de la masse. Plus d'ennemis arrivent. Ennemis volants dans les airs. Ennemis volants dans les airs, ouais, bah ouais, normal, hein, j'ai envie de te dire. Marcher sans jambes, c'est difficile. C'est contenu. Aujourd'hui. C'est ça, continuez à les faire venir. Allez, un vaccinant, hein. Plus d'ennemis arrivent. Ennemis volants en vue. Ennemis volants dans les airs. Tu les gères avec les arbalètes, c'est ça? Les arbalètes et archi-elf. Oula! Il y a des majogres là. Je reconnais ça. Je devrais avoir quelqu'un pour faire ça à ma place. Est-ce que quelqu'un compte les points? Parce qu'on devrait vraiment. Mon côté, ça de peu sûr.
Je vais remettre quand même une autre petite par là. Voilà. Il n'y a plus de budge. Wow, il y a des grenadiers cobalt. Il lance des grenades. D'accord. Nouvel ennemi. Des grenades. C'est un grenade qui balance des gros. Ouais. Mais bon. Mais tu l'as balancé par dessus. Regarde, ils sont en train de se lancer des grenades sur eux. Ah, ces petits volants de merde, ils sont immunisés aux flammes. Il y en a un qui me tire dessus. Voilà. Ouais, c'est bon. Ah, les archers sont bien efficaces contre hein, les volants. Pas trop, parce que les miens sont de feu, évidemment. Ah ouais, bah il faudra peut-être les changer. Hein. Hors de question que j'abandonne mon feu. Par contre, tu devrais peut-être aller te soigner, parce que t'es un peu amoché. Ouais. Mais là, j'ai fait une jolie ligne de feu. On est assez sûr, hein. Vas-y, j'occupe ta ligne le temps que t'ailles te régène. Elle est où la faille? Elle est tout au fond. Ok. C'est bon, je suis full life. Oh, j'ai pris un feu. Ok, t'as vu, il y a deux. Oh, j'ai deux gnolls sur les côtes là. Ouais, j'ai plein de gnolls sur les côtes là. Ils sont en train de se taper dessus. T'inquiète pas, leur spécialité quoi c'est de. Oh, j'en ai un qui est passé. De volant? Ouais, bah oui, je suppose, hein. J'ai pas vu de terrestre passer là. Ah ouais. Ah, c'est l'enfer à faire le. Les antivols là. Les antivols. Très rigolo quoi. Je pense qu'il faut que j'éloigne un peu mes arbalètes les unes des autres parce que sinon elles vont viser la même chose tout le temps. Ouais. Je la retente. Ouais, ou elles vont tirer tout le temps en même temps, c'est ça. Qui marche bizarrement. Ouais, c'est possible. Et sur la même cible surtout. Je veux pas qu'elles tirent sur la même cible. Nous devons continuer à défendre les failles. Soyez à l'affût de tout ce qui est étrange. On a également signalé la présence d'armées volantes. Ah, j'adore quand elles s'inquiètent pour moi. C'est parti. Ouais. Vas-y, c'est parti. Je suis prêt si vous l'êtes. Vous êtes prêts? Parce que moi, oui. Et bonsoir, Tontube. Ouais, bonsoir, ton tube. Mais de toute façon, ça tourne pareil pour YouTube depuis tout à l'heure. Parce que sinon, faut leur mettre la cinématique, tout ça. Une percée de lune. Ah ouais. Fond. Ils ont fait une percée via une porte. Avec plaisir. Ah, mais les petits, ils rushent si vite, j'avoue. La faille. Ah bah il est passé. Ah c'était pour vérifier mais ouais même en fait si je tire pas dessus ouais ça a l'air vraiment ça les y a pas assez de DPS pour les arrêter. Sinon. Ça a l'air vraiment d'être un calvaire. Ah c'est pas rigolo hein. Ouais je pense qu'il faudra les archers Tant que nous n'en sommes. Ouais mais les archers ils m'en ont couché, ils ont réussi à passer mais parce que pareil peut-être que j'ai trop compacté les archers. Je vais décompresser les archers, allez. Je vais commencer à espacer mes arcs. J'en mettre un là dans tous les cas. C'est parti. On va mettre un ici. C'est tellement beau. Un qui va vraiment tirer que sur ceux qui viennent de droite. Allez, vas-y. Ah ouais, c'est parti. Une là. Je peux encore mettre un arc. Attention, ennemis volants! Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. On est un peu de DPS latéral. Ils sont presque là. Vas-y, un peu. Très bien, j'arrive à tout. Vas-y, impressionne YouTube. J'arrive. Je suis sûr que t'impressionnes YouTube de ouf. Oh, on va essayer de tout donner.
Non, non, mais vas-y, je vais revenir au menu parce que là, sinon ça. Non, non, y'a pas de soucis, je m'en sors. Hein. T'es sûr, hein? Parce que moi, je vais je vais quitter, vite fait. Ok. Donc, je te repose un elf ou deux là. On a besoin à la faille. D'aide ici. Et voilà, j'ai plus de budget. Y'a pas de soucis, j'essaierai voilà. De défendre. Let's go, à tout de suite. A tout de suite. Ok. Ennemi volant dans les airs. Les ennemis sont à la faille. Alors, ça tient ? Ouais, ça tient super bien. Je les ai pas mal embrouillés avec la confusion et tout. Ça a tenu mes elfes ? Ouais, j'ai un peu bon, j'ai plus focus les volants qu'autre chose pour plus pouvoir aider. Vu qu'il met du temps à venir les orques. Okay. Ok, j'ai rajouté de l'elfe encore. Hein. Vraiment. Attention, ennemi volant. Il y a des ennemis dans notre salle de faille. Ils sont presque là. Est-il possible que je sois meilleur dans ce domaine ? Un peu plus vieux, mais. Écoute, pour l'instant. Ça tient, ça tient hein. Bah, je lâche la horde, hein. Ça tient. Comme un vélo. Un petit groupe d'arbalètes. Quand même. C'est vrai que ça nous amache un peu. Ennemi volant dans les airs. D'ailleurs, si j'en assomme un dans les airs, je passe comment. Oh ouais, non, là ils me les ont dégommés, ça fait plaisir. Précision 0. Ok. Pour moi ça tient toujours. Hein. J'adore quand les orques foncent droit sur eux. Bah, ouais. Plus d'ennemis arrivent. Attention, ennemis volants.
Je peux reculer, j'ai plus d'ennemis hein. Si jamais. Ouais, t'inquiète, on va se rendre à la gueule. Je... Plutôt satisfait de ça. Ennemi volant en vue. Ennemi volant dans les airs. Ça marche. Ah, c'est une... Déjà, succès déverrouillé, monocle d'or. Bon bah GG. Hein. Je ne l'ai pas eu. Ah ouais? C'est quoi le monocle d'or que t'as eu? Oh, je sais pas, je peux te dire ça à l'instant. Eh bien c'est un succès. Bon bâtard. Monocle d'or, alors est-ce que je peux rechercher directement dedans, ce serait plus simple? Ah je crois que je l'ai déjà. Bon voilà. Bah c'est bizarre que je l'ai déjà ou je sais que je l'ai déjà. Acheter les 3 équipements de regard froid. Ah oui, mais ça c'est parce que on a pris le DLC. Ah ok. Ok. Ouais, améliorer mon arbalète. Non, l'arbalète s'il vous plaît. Ah j'ai gagné de nouveaux pièges de sol aussi. Tirer dans c'est la tête des ennemis 100 fois. Oh là. Laquelle? Pour l'arbalète. Ah ouais. Là, c'est du sniping là. Ah bah ouais, pour ceux qui aiment sniper, l'arbalète c'est le top puisque tu vas pouvoir choisir que les kills en pleine tête font des explosions et des dégâts aux ennemis à côté. Ça c'est rigolo. Oh t'as le bâton lame. Oui, le bâton lame. Parce qu'en l'ancienne t'étais équipé des deux, je crois, bâton lame et t'avais deux armes. Tu pouvais switch. Ok. Et eh ben, des bisous YouTube! À la prochaine! Allez, bisous!